On est Sonido Pesado et bienvenue à Pesado. En 2006, mais au début, c'était Heavy Sage. C'était très petit au début, 3MC avec un DJ, Rila qui était à la production. Peu à peu, on a commencé à enlever tout ce qui était sampling par des musiciens. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvé avec un band de 12, 13 en tout. Et qu'à un moment donné, vers 2016, on a réduit la formation, c'était beaucoup plus en espagnol, il n'y avait plus de sampling. Et puis on a décidé de changer le nom à Sonido Pesado. Et puis là, on a sorti déjà des années sous le nom de Sonido Pesado. Moi, j'ai beaucoup aimé la soirée de clôture du Mondial Montréal. Parce que vraiment le fun qui roulait à l'Astral, le fait de pouvoir partager la scène avec des grands musiciens avec qui on collabore souvent. C'est le fun de se retrouver sur scène avec tous ces gens-là. Puis, du public. C'est vrai qu'il y avait du public. Yeah. C'est vrai qu'il y avait du public. Puis c'est ça, tu sais, le fait de remonter les tunes avec d'autres mondes qui ne connaissent pas trop ça. Mais tu sais, c'est. La chimie s'est faite super naturelle, c'est vraiment cool. Juste de rencontrer des nouveaux artistes, c'était passionnant, donc merci beaucoup à passer à ça. Les gens, l'approche, c'est ça, la chaleur, c'est ça qui manque. Hein. Moi, c'est ça qui me manque, Moi, c'est surtout prendre les gens dans mes bras, là. Y a rien de plus awkward qu'être genre. Ouais. J'ai envie de faire des câlins à tout le monde, moi. Ben, c'est sûr, voyager, faire des tournées et tout ça, mais je trouve que. C'est le moment, plus que jamais, que les gens se tournent vers la diversité beaucoup plus qu'avant, parce que ça se passe super bien. On a des artistes super professionnels, et puis pourquoi pas une catégorie musique latine à la disque. Ça pourrait être vraiment le fun, ça. La cumbia est dans le secteur.